Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq. On commence par Farah.Nitcha sur Snap et après leur vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Le truc de la foire, plus jamais, ça y est, ça m'a tout retourné, je vous mens pas, ça m'a tout retourné. De toute façon, c'est à cause de mouf. Ouais, allez, c'est l'hôpital qui se fait la charité encore. Le truc de foire, allez, ouais, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça, ouais. Ça cause ça. La famille, j'ai un très très bon plan à vous donner. C'est le bon plan qu'il vous faut. Je vous laisse son snap. On a fini au resto. Au resto. Voilà. Mais j'avais une petite question. Je m'attends. On se pose tous la question. T'as un bisbis, hein? On a fini avec Leïna. Tu l'aimes bien, j'avoue. En fait. Quoi? Je l'aime bien. Vas-y. Avec quoi? Je sais pas. Je peux t'arranger le goût, hein? Je sais, tu peux m'arranger le goût, mais vas-y. Pour l'instant. C'est pour ça qu'on est pour l'instant bien fait. Piano, piano. Piano, piano, va piano, va piano. Veste et de buisson défaire la flot de pression. Chaque symbole d'une génération. Symbole d'une génération. Regardez, là, on a fait un papier cahier ciseaux pour ce soir pour aller au cinéma. Et en fait, j'ai mis en story, voilà. Oui, je sais que t'as mis en story. Voilà, j'ai mis en story. Mais je sais que t'as mis en story, mais t'as triché. Allez tous voir sur sa story. Regardez si j'ai triché. Ben, à 20h, le cinéma. Oui, voilà, on va la place à Vara. D'accord, on va regarder quoi. Eh, hey, c'est une place avec popcorn, une boisson. Mais ta cousine. Sur la tête de ma mère. Mais t'as craqué, Vara, toi. Tu connais que la chanté, c'est le paquet. Le oui. Paquet complet. Non, 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 mais on va regarder quoi. Au Gladiator. Gladiator. Cousine, Gladiator. Gladiator. On passe à la story de Cappuccino tiré du bas off sur Snap. J'étais à la piscine, c'était l'été, faisait trop chaud. I put my lifetime in between the paper's lines. I'm the quiet storm nigga who fight rhyme. T'as tombé large. Eh, hey, arrête, hein. Allez, c'est que blues, hein. Bon. Allez. Si, bon. Vas-y. Si. Eh, hey, il a fait plus mieux que toi. Il a fait plus mieux que toi. Ouais. T'es toujours sur ton téléphone. Mais qu'est-ce qu'il dit? Regarde, je vais te ramener là ce soir. J'ai pour toi une bonne surprise. Toi, tu connais Gladiator? Gladiator, c'est un film. Je connais ta soeur, Gladiator. Toi, tu vas commencer. Voilà, respecte, voilà. Respecte Gladiator, son. Gladiator, pas Gladiator. Même Gladiateur, Gladiator. Mais le film de la guerre. Ouais, tu viens ou non? Tu viens ou non? Cool, voilà, tu viens. Ben regarde, on va faire pierre, papier, ciseaux sur 3. Le perdant, il paie. Ouais, je l'ai dit, t'invites là. Non, mais j'ai dit, attends, toi tu viens pas, t'es un daron, t'as le bébé. Vas-y, quand d'aller à la maison, s'il vous plaît, ouais, attends. Oublie pas que t'es daron et t'as un bébé aussi. C'est vrai. Vas-y, papier, caillou, ciseaux. Ah, tu savais que j'ai envers la dame. Caillou, ciseaux. Attends, vas-y, les gars. Pierre, papier, ciseaux. Ah, voilà, zéro. À zéro. Attends. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Ah, deux zéro. Ah, cinéma. Voilà, non. Les gars, elle triche. Ça, c'est un. Attends que je sors pour qu'il sorte son truc. Elle triche plus qu'un garçon. Joue. Soit. 2-0. Pierre, tu peux encore gagner. Pierre, papier, ciseaux. Ah, cinéma gratuit. Ah. Un jour, j'étais à la piscine. C'était l'été, faisait trop chaud. We throw the money up,
On passe à la story de Moha 31-220 qui fête son anniversaire d'une drôle de manière. Que moi, ça m'a pas proposé. Ça allait au resto un traître et moi, ça me propose pas. Anniversaire, pas anniversaire, t'as eu? Là, elle vient de répondre à un des commentaires. Par là, que moi, ça m'a pas proposé. Certains des followers, c'est une grosse menteuse. Moi, ça m'a pas du vie avec nous au resto. Certains des followers. Ouais. D'accord, ben moi, c'est sûr que je serai avec mes collègues du coup. Si. Bah si, c'est mon anniversaire. Je sors avec mes collègues. Ouais. Bisous. Fais la gueule. Fais la gueule. Bon, c'est mon anniversaire, je m'ennuie là, je suis au quartier, je m'ennuie, y a rien à faire. Là c'est très simple, je viens d'appeler Maria, elle me fait la meuf, elle veut pas me répondre, villa, elle reste cette villa. Je m'en fous, de force ou de gré, je vais y aller et je vais rentrer. La famille, ça fait 5 minutes que je tourne dans le lotissement, j'ai toujours pas trouvé la villa. Parce que la position, j'arrive pas à pister c'est où exactement, mais je crois que c'est là, là. Ah ouais, les récits, il est là. C'est carré, pose-moi un peu plus loin là-bas dans la rue. C'est rompé, je vais les niquer ce soir. Ils ont voulu m'esquiver, ils vont voir. Oh, il y a une voiture qui vient de se tailler, la famille. Et je vois le petit cul du RS6 là, allumé. J'y vais. Moi, de toute façon, je suis pas venu là pour rien. J'y vais. Par là, les gars, j'ai voulu y aller. Le RS6 il s'est taillé, je me suis caché derrière une voiture là. Voilà, je suis caché derrière une voiture, je suis pas derrière, je suis qui? Il est là. Je suis bloqué. Il y a le T-Max. Et les RS6 qui sont partis à bloc. Là, j'y vais à la villa. Bon, là, ils viennent de se tailler. J'ai attendu quelques minutes au cas où. On sait jamais s'il y avait quelqu'un devant. Là, j'y vais. Oh, voilà, j'ai speedé. J'ai fait une voiture. Je me suis dit, c'est... Je crois qu'il n'y a personne, la famille. Voilà, il m'a l'air d'y avoir personne. Bon, mais j'y vais. Voilà, je ferai le tour de la villa. Je vais essayer de voir si c'est ouvert. Il n'y a vraiment personne. Ils sont tous partis. Je vais aller voir si c'est ouvert. C'est pas ouvert là. C'est pas ouvert là non plus. Faut que je trouve une solution pour rentrer. Faut que je rentre avant. Je vais rentrer avant qu'ils rentrent. Ils vont me trouver dans la villa. La famille, là je suis derrière la villa, le côté de la villa. Je vais essayer de trouver un endroit où passer. Oh, il y a une trampoline. Par là, je vais aller faire du trampoline. C'est où l'entrée comme ça, sa mère? Ah, c'est là. Par là, elle a pas voulu m'inviter, elle m'invite tout seul, cousin. Après avoir fini la session de trampoline, on va aller voir là, il y a quoi. Il y a une fenêtre fermée. La conne de leur race. Ils savent pas l'erreur qu'ils ont fait là, ils sont morts. Ça y est, j'ai trouvé ma solution pour rentrer. Je rentre de suite. Allez, on y va. Oh. C'est la chambre à qui? C'est à qui cette petite paire? Ah, ils sont bien les parigots. On va aller faire un petit tour dans la baraque. Accroche, je te raccroche. Tu es là depuis le début. Bien, ça me brûle pas, 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 pas. Bébé, ma chop sans coco, je peux être ton bébé. Que je pense sur moi, dès le début, elle est là, seulement voulu prendre des sous sur me. La foi et du courage, une relation remplie de rage. Vois jamais le soleil que l'orage. T'es un capot, voilà, je vais passer un anniversaire de merde maintenant à cause de toi. Voilà, quel est l'anniversaire? Voilà, c'est à cause de toi là. Anniversaire de merde. C'est la chouma de merde, pas l'anniversaire de merde. Mais quelle la chouma, qu'est-ce que tu me racontes? Mon frère, tu sais, si voilà, il laisse tomber, voilà. Voilà, tu me mets le visage dans le khra. Bon, pourquoi? Bah, allez, c'est un gamin. Tu vas grandir un jour, tu vas regretter. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mon anniversaire, je le passe tout seul aussi. Je vais regretter ça aussi. Tu vas aller manger, tu vas aller au studio. Tu vas. Ouais, t'as raison, voilà. Je vais aller au studio ce soir. Déjà, joyeux anniversaire. T'as pas besoin d'aller voir une gadji pour ton anniversaire. Célèbre-le tout seul, mon frère. Voilà, appelle ta mère, ta grand-mère, ta soeur. Appelle... Arrête de parler de ma mère capou, je t'ai déjà dit, tu me casses les couilles avec ça. Sous le soleil, ouais, je me balade. Les problèmes, ça me rend malade. Et sur Snapchat, je vais surnommer vomito. Elle a peur du combat, de la déclaration. Les problèmes,
énormément de messages, sors-le. Vous inquiétez pas, ce soir, restez à l'affût sur TikTok, la famille, faut le faire péter ce son. On passe à la story de Maria chez Nasdas. Jamais me croirais à qui vient de m'appeler. Mora, il vient de m'appeler, il m'a demandé s'il pouvait venir à la villa. Non, mais... L'être humain, c'est grave, voilà, c'est grave, tout pour le matériel. Il même... m'a utilisé, et en plus, après. Faut savoir, Maria, venir. Depuis qu'on vient, à chaque fois, eh ben, elle était solo. J'étais toujours toute moi, ça seule. Date que béton, je viens, ça elle tenait date les murs de la cahier. Non mais c'était un peu en trop, Chico. T'es TDA, voilà. Frère, j'en ai devenu rappeur. C'est bon, allez, allez, allez. Wesh. Je voudrais passer devant, c'est un fait. Rap en fast time, c'est un fait. Frérot, j'avais ta log, je suis venu. Parce que tout le temps tu m'esquives. Arrête de dire, moi je t'esquive, frère. Ouais, si toi tu m'esquives, tout le monde m'esquive. Ouais, tout le monde m'esquive. Et là, comme par hasard. Moi aussi, c'est mon anniversaire, personne n'y m'a appris avec personne. Moi j'ai dit, je vais. Ouais, mais ça c'est pas mon souci. Moi tous les jours, je suis toute seule, je demande rien à personne. Eux, ils viennent, ils font des trucs pour moi. Toi tu viens, tu t'incrustes. Mais voilà, moi je voulais me poser avec eux. Voilà, j'ai vu, c'était des bons, tout ça. Tu les connais même pas, comment tu voulais te poser avec eux? Mais j'ai vu, c'était des bons dans tes snaps et tout. Voilà, ils sont gentils avec toi. Moi je dis, ouais, gentil avec moi aussi. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Déjà, t'es rentré ici par infraction. Il a ton short en plus. Ouais, j'avais oublié, ouais. Parce que tu connais, j'ai mis un survêt. Il rigole même pas. Ouais, t'as vu, là, je ne rigole même pas. C'est un short, mon frère. Et alors, c'est un short, c'est son short. C'est son short. T'as fouillé ses affaires déjà, ça veut dire. C'est un short night, frérot, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire qu'il a fouillé ses affaires. Une bagarre de cheveux là? Ouais, mais frérot, quelle bagarre de cheveux? Il a la coupe à d'or à l'exploratrice, voilà. Mais toi, t'as une coupe à quoi d'or? Attends. Bon, qu'est-ce que t'as, Chica, depuis tout à l'heure, t'es pas bien? J'ai trop la rage, voilà, j'ai trop la rage. La boule, elle a pris mon short normal. C'est un short Nike. Mais c'est même pas question que le short. En mode, il a ouvert ma valise. Il a pris mon short, il l'a enfilé, il avait même pas de caleçon. Ouais, c'est vrai. Là, c'est cool, c'est... J'ai capté le bail, j'ai capté. C'est vrai, ça se fait pas. Ah, mais après, bien, tu t'en fous, dis-toi, c'est un short Nike. C'est le geste, c'est le geste. Voilà que c'est rien. C'est le geste, le grand geste, il me fout les haines, voilà. Je comprends. Les trucs pour toi, au final, ils viennent, ils... Vas-y, tranquille, au calme. Bon, là, je vous explique. En gros, il y a Moha qui m'a appelé, il m'a dit qu'il est tout seul au studio. Miskin, c'est son anniversaire. Je leur ai proposé de venir avec moi, du coup. Bon, là, je vous explique. Ouh. T'es complètement ouf. Mais pourquoi? Mais parce que, après que tu t'es énervé, même tu vois pas que les gens ils sont là par profit. Mais bref, vas-y. Mais il est tout seul. Regarde, toi, t'es directeur artistique. Ouais. Toi, tu fais bien rigoler. Et toi, bah, t'es Chica, quoi, c'est toi. Bon, Moha. Ouais. J'ai vu, t'es tout seul, ça me fait de la peine. Déjà, tiens. Bon anniversaire, je sais que t'es l'OM. Voilà. Voilà, tiens, bon anniversaire, clochard. Bon, Moha. Ouais. Mais tu veux, t'as quoi, là? C'est bon, Chica. Ouais, mais on n'est pas celui-là, voilà, de son vieux short, là. Attends. Tu m'as dit, tu voulais faire un son. Mais tu veux, ouais, le son, voilà. Bah, Amine, il est directeur artistique. Mais archi pas, t'arrives à le dire. Archi pas, pour que ce clochard, là. Tu veux faire de la musique? T'as déjà fait du son? Ouais, vite fait, mais pas. Donc c'est que tu ressembles à Fianso? Ouais, Fianso. Tais-toi. Ah, je vais. Vas-y. Allez. Non mais c'est un foutage de gueule. Amine, il m'a dit ouais, viens pas avec moi, tu peux pas et tout. Et là, je vois quoi? Je vois Amine en train de manger. Je peux savoir ce que tu fais là. Mais toi, tu fais quoi? Tu m'as dit, ouais, tu peux pas venir avec moi. Et en fait, t'es HLTP en train de rien. Il y a quoi que tu comprends pas dans ne reste pas avec nous pour l'instant? Mais je sais pas. Tu m'as gâché la surprise. Mais quelle surprise? Tu sais que j'ai pas dormi cette nuit. Ah ouais? J'ai pas dormi. Je les ai pris, on est parti. Ah, j'ai pas dit cramé. Vas-y, dégage. Mais c'est parti où? Dégage. Non, mais. Mais vous êtes acheté des fous dans le train de rire. Tu vas pas savoir. Célèbre.
ma vulgaire, il est là. Wesh. Pourquoi, wesh? Il veut pas faire cuire mon crevette. Voilà, il est hein quoi. Il veut pas faire quoi? Cuire mon crevette, voilà. Ton truc aux crevettes? Voilà ma gueule, mais je vais tranquille, wesh, tu vas manger. Pourquoi t'es agressif comme ça, Edu? Tout le monde mange, c'est à volonté. Ah, ouais, t'es anxieux. T'es anxieux. Bah ouais, lui, il s'arrête pas là-bas. Vraiment, des fois, il est là, après, il est là-bas. Après, tu peux le trouver par là. Vas-y, wesh, mais mon ref, attends, mais wesh, tu vas où, là? Tu manges? Tu as une soirée? Tu vas en boîte? Je déguste. Tu riges. Putain, les mecs, le travail, c'est compliqué. Là, est-ce que tu peux me répéter ça, Lenny? Frérot, tu veux pas me remplacer, je te donne 20 euros, t'as juste la vaisselle à faire, t'inquiète. Tu veux que je te remplace parce qu'il y a juste la vaisselle à faire? Non, non, mais attends, il y a quoi et tout, mais t'inquiète, c'est un truc mais de ref, frérot. C'est un truc de ref, on est frère. Frérot, mais moi, je gagne quoi dans cette histoire? 20 si euros, reste... wesh. 20 euros. C'est bien. Et mais en gros, toi, ils te payent ta journée normale. Et moi, tu me donnes le quart de ton salaire pour que je fasse ton travail. La moitié, mon ami. Je refuse. Bon, les frères, je suis avec Kinaï. Là, il y a une personne devant nous, les gars. Je peux te snapper, s'il te plaît? Paye. Combien? Paye. Paye, mais combien? Ça parle en paye. Mais ça parle en combien aussi? Paye. Je filme ton chien, je te filme pas toi. En fait, j'ai pas le droit de filmer cette personne. Il me demande de payer. Mais pour filmer. Après, voilà la légende que c'est aussi. Hein? Voilà la légende que c'est aussi. Attends, je vais juste montrer ça. Ah, je monte pas ta tête. Je monte. Les frères, là, je suis à la Fnac. Voilà. Je suis parti pour acheter un truc à quelqu'un, les gars, parce que je les aime bien quand même. Je suis pas un bâtard. Et je leur ai pas acheté encore. Bon, c'est pour leur, il y en a écrit mon mot, c'est pour leur enfant. Mais ça, je m'adresse aux filles, hein, plus précisément aux filles. Aidez-moi, qu'est-ce que je peux prendre? Vraiment, je suis perdu. Les frères, après 30 minutes, j'ai enfin trouvé. Hein. Vraiment, j'ai demandé des avis aux filles de mon Snap. Ah, vous êtes éteints, les filles, je vous dis la vérité. J'ai demandé directement à la conseillère du magasin. Vraiment, j'ai pris un truc propre à la kiffer. Monsieur Crocs, devinez c'est qui, les gars? Devinez c'est qui, monsieur Crocs? Devinez c'est qui? Bah, 300 kilos de viande, mon frère, devant toi. Machallah, ça va. Machallah, comme ça fait l'année. Bonjour, monsieur, contrôle de police. Ouais, ça va quoi, y'a pas des pièces? Hein? Y'a pas des pièces, moi. Des pièces? Ouais. J'ai pas de pièces, ouais, mais ouais. Je vais te donner un truc, mais je vais pas le filmer. Ok? Ouais, ouais. Allez, bonne journée. Si je snap pas la chaîne, c'est qu'aujourd'hui je suis en détente, voilà. En quartier, freestyle. Il y a tout le monde posé. Demain, les stories elles reviennent fortes. C'est sûr, avec ça, on va maigrir. Il n'y a pas d'autre échappatoire. On va maigrir, c'est sûr. On mange comme aux États-Unis. Putain! Non, franchement. Elle est pas belle, la vie? La vie, elle est belle. Regardez comment on mange. On mange. C'est tout pour moi. Ce soir, je suis venu au restaurant chinois, les gars. Regardez. Regardez, s'il vous plaît. Regardez. Et ouais, les gars. Mais en fait, c'est ce type-là, ça fait 3ème fois que je le croise, mais elle sait pas quoi prendre. Oh, frérot! Mais c'est quoi ça? Ouais, c'est... Bah attends, ça fait 3 heures, t'es là, je fais le tour. Mais genre là, t'as pris que ça, Lazare, moi. J'ai pris que ça, moi, je mange tout doucement. Tout doucement. Mais sûrement. Excuse-moi, voilà, il est venu, il a même pas faim, mais. Miskin, voilà, miskin. Entre les gars, j'ai le démon. Voilà, hein. Voilà, j'ai le démon. Parce que, vois ça là. Vois ça là. D'habitude, je frappe bien ça comme il faut. Voilà, hein. Voilà. Mais comme ça, je vois, elle est pas cuite, rien du tout. Là c'est froid, je peux pas le manger comme ça. J'ai demandé là-bas s'il peut me faire cuire ou pas. Sinon bon Dieu m'a dit quoi? Non, faut le manger comme ça. Mais sauf que je peux pas manger comme ça. C'est là que ça me rend démo, voilà. Et moi genre là je suis là, je suis perdu comme tout coin, voilà. Je suis perdu comme tout coin. Genre en gros, genre je sais pas quoi prendre exactement, voilà. Et bref bonbon, on dirait que c'est pas pareil. Regardez, il y a le dessert à côté. De toute façon, le dessert, c'est pas trop modulé de toute façon. Chingama en fait. Hein. Voilà. Pas le voilà.
Elle fait pas le bar à ma gueule, du voilà. T'es un pigan de chiquet, moi. Pourquoi elle est là? Pourquoi elle est là? Je sais pas, voilà, je sais même pas ce qu'il faut foutre ici, voilà, voilà. Fais pas le bar à, voilà. Voilà, fais pas le bar à. Vas-y, elle fait un bal, s'il te plaît. Fais un bal, ça, voilà. Mais wesh, comment tu fais pour. Ah, c'est bon. Oh là là. On fait le bar à, voilà. Voilà. Ça. On fait le baral, ma gueule, voilà. Ça aussi à côté, baral, ma gueule. Et là, on est dans le bon, ma gueule, voilà, on est dans le bon, là. Wesh, 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 wesh. T'es pas mieux, voilà. Tu peux confirmer son prochain travail. Y, tu lui fais un bal là, voilà. Tu lui fais un bal là, voilà. Après les restaurants, on a bien mangé, bien comme il faut. Après les restaurants, les gars, on a choisi de venir où? À la foire. À la foire, les gars. Et voilà, ils sont tous là-bas. Les gars, on va partir en bon. Laisse tomber. Franchement, on a passé un super jour aujourd'hui, les gars. C'était super cool. Allez, on essaie, allez-y. Et voilà. Allez, vas-y, ah oui, il y a pas. Il y a du monde en tout cas. Allez, on essaie, allez-y. Et... Le train là. Je vais faire ça là. Regardez. Je vais le faire. Et ouais. Le train là. Ou pas? Hein? Bon, les gars, on va monter. On va monter, les gars. Oh, non. Et ouais. Oh. On va mourir parce que Mamadou, c'est plus lourd et on l'a mis ici. Tu vas mourir. Ah, mais vous allez faire ça. Tu vas mourir. Si je meurs, tu meurs. On a le même truc. Non, pas du tout. Mais attends, oh mais pourquoi toi tu fais le pas toi? J'ai peur. T'as peur hein? Voilà ma gueule. Ouais, mais moi, frérot, même un ça. T'as dit quoi? Un démon de personne. Y'a là, frérot, c'est rien ma gueule. Voilà, wesh. Frérot. frérot, voilà ma gueule. Voilà. Oh, il fait pas le bar à lui. Voilà ma gueule. Alors, c'est comment là? Tiens-toi bien, voilà. Vous êtes prêts là? Parce que ça rigole pas. C'est pas comme si. Oh, ça rigole pas. C'est quoi hein. Que t'as dit venir déjà? En tout cas, moi. Les mots, les gars, voilà. On passe à la story de Noémie G66 sur Snap. Bon, du coup, ce soir, la team, c'est chinois. On est tous venus à Bison derrière. Bison. Ouais. En plus, à l'Oréal, on m'a dit que c'est lui qui a invité ce soir. Bah oui. On verra la question. Du coup, là, je suis à ma 10e assiette. Oui. Je commençais par. Après vous êtes deux à manger maintenant. Je commence par ma petite rentrée. Mais là maintenant vous êtes deux à manger. C'est vrai. C'est vrai. Petite salade et tout. Et là je commence par tout ce qui est le calamar, tempura de crevettes, petit beignet de fromage. Je me régale. Et regardez-moi comme il est classe. Et regardez-moi comme il est classe.
crois que je suis en train de vriller la team. Mais vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de... Attendez, j'arrive pas à enlever ma pince. Je crois que je suis en train de vriller la team. Tout noir. Le blanc, il m'a saoulé. Genre, c'est super beau, mais l'été, vous voyez. Là, qu'on arrive en hiver, tout noir. Et j'ai envie de me mettre les cheveux longs et soit de me foncer en chocolat ou en noir. Franchement, là, ça fait 2 jours que je suis en train d'y penser. Et j'ai grave envie de le faire. On passe à la story de Billy DZ 660 sur Snap. Aujourd'hui, il n'y a rien et tout, mais non. Il y a des familles qui me suivent toujours, ça me jure. Grâce à vous, je suis là. Pourquoi ? Billy, tu fais qu'individu. Chaque fois que je ne suis pas à l'appel, je snap aujourd'hui, il n'y a rien. Pourquoi tu continues pas à faire des stories ? Alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, il n'y a rien de bizarre dans mes stories. Ça veut dire mes stories, ils peuvent regarder les vieux, les petits. Tu peux laisser ton enfant et regarder ma story parce que. Pourquoi tu... Je confirme, il n'y a rien bizarre, il n'y a pas de sensuel, il n'y a rien bizarre dedans. Grâce à vous, je vous parle des snaps chaque jour, chaque jour, chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Des snaps chaque jour. Dégustation. Oh, mais la famille, il y a quelque chose sur Perpignan, restaurant. Manger Vietnam. Le nuit, les nuits. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas le dire, la famille. Les sociétés, les petits spaghetti. Aux crevettes, regardez, crevettes bien fraîches. Bismillah. Le mec il fait manger thaïlandais. Non, Vietnam. Manger Vietnam. Bismillah. Incroyable. Ça, je le donne 10 sur 10. J'arrive, attends-moi, Barla. Il y en a un autre aussi. Rookmi, un restaurant de meilleur sur Perpignan. Au poulet, ça c'est au poulet. Dégustation, Vietnam. Ah, ça là. En plus, il fait trop froid en ce moment. Ça, il va te chauffer direct. Parfait. Ça, j'aime trop. Ça fait crevette chaque fois et tout dedans. Moi, j'aime faire comme ça, la famille. Regarde. Ça m'a j'aime la salade. J'ai mis ça. Et la menthe. Après, la sauce. J'ai la sauce. Trop beau. Les gars, l'Akhdar il a décidé pour faire des voyages. Il a acheté un casque, une petite valise, hop, qui tombe. Il n'y a rien dedans, c'est pas grave. La, ouais. Tu vas aller où la destination? Sainte-Marie. Les gars, l'Akhdar il a décidé. Sainte-Marie? Ouais. Sainte-Marie-la-Mer? Ouais, Sainte-Marie-la-Mer. Et tu vas pas au bled, en Algérie? Je vois un petit casque qui vaut 50 euros. Déjà, les gars, il y a un casque à vendre chez l'Akhdar à Saint-Jacques. Va où? Sainte-Marie? Ouais. Va où si quelqu'un qui veut l'acheter? Il vient sur Perpignan, il l'achète tout de suite. L'Akhdar il va vendre 20 euros. Les gars, on fait un massage à quelqu'un qui vit 350 kilos de viande. Un gigot d'agneau, 300 kilos. Je vais m'enlever avec un tu fais un massage. Arrête, tu fais mal. Oh, Cappuccino, on fait un petit sport, frère, ensemble aujourd'hui. On fait un petit sport. Vas-y, je suis t'es prêt? Je suis prêt. Oh, t'as pas besoin de. T'as pas besoin de. Jamais vu un mec maigre, mais bouge beaucoup. Mec, maigre, mais tu manges beaucoup. Mais tu grossis jamais. C'est normal. Mais hey, frère, comment il mange? Je m'entretiens, c'est normal. Essaye de faire comme moi. Hey, il est là, voilà, 4 heures du matin, il fait des pompes. Se lever, fait des pompes. Quelle des pompes? Ouais, montre les tontons comment ils sont. Ils sont là. Les gars, en fait, il y a un oiseau qui tire. Qui tire des éclairs. Ah ouais, non, il est bon, hein. Ah, il est bon. Il est bon. On va acheter ça. On va acheter ça. On va acheter ça. C'est rien d'acheter des armes et tout. C'est pas. À l'appel. Oui, ça c'est cet oiseau déjà. Regardez, oh, t'as pas besoin d'un briquet. C'est Sia.
En fait, sur Snap, il y a une vie. Et notre Snap, il y a une vie. Les vraies vies, la famille. Regardez le sud de la Chine qui travaille dur. Pas attendez les publicités qui rentrent, les gars. Quel travail, mon gars. Les gars, c'est quel travail qui paye. Vraiment, vraiment, vraiment. Chinois qui paye, pas chinois. Ah, bon plan, ouais. Ouais. Ah, calvitie, y'a pas un petit café pour moi gratuit? Y'a pas de café gratuit pour moi? Regarde, en plus, je te fais publicité. Casa Café, c'est le meilleur. Je fais pas de publicité, on n'a pas besoin de publicité. T'as vu maintenant? T'as monté les cornes maintenant. Avad, ouais, s'il te plaît, partagez l'adresse. Déjà trop connu. Mais grâce à qui? Merci pour le café. Dieu qui te paye, Inch'Allah. Quoi? Dieu qui te paye. C'est combien de café? Combien de café? Ah non. Outfit 10 jours, un petit peignoir, petit pyjama blanc, voilà. T'es classe. Ouh, t'es classe à Dallas, ah, hein? Oui, oui. Hi, mon ami. chaque jour un gadji, frère. Chaque jour un gadji, mon frérot. Je savais pas comme ça, mon frère. Mais je vais pas te trahir sans mon corps, là. Eh bien, pourquoi tu tournes avec lui les gros chevaux, là? Quoi, gros cheveux, t'aimes pas mes gros cheveux? Si, je t'aime bien. Mais vous êtes, il y a quelque chose contre vous. T'es sûr? Rien de rien. Ok. C'est le sang. Vas-y, cache. Crémon, il y a un enfant depuis tout à l'heure, il pleure par là. Il cherche papa Crémon, papa Crémon, papa Crémon. C'est qui papa Crémon? Si je suis son père, je pense pas. Il a pas de mère. Il connaît pas sa mère. Il est pas reconnu. Reculé. Il est reculé ou quoi? Reconnu. Reconnu. Gros cul? Non, reculé. Pas gros cul. Un gros cul. Un gros cul. Un gros cul. Ah, c'est bon, bref, non, hein, c'est ça. Les sous, c'est bref. Il y a un enfant qui cherche après toi, c'est bon. C'est bon, qu'est-ce qui se passe? T'as changé ton style comme ça, frère? Tu m'appelles BGD. Ouais, c'est vrai, tu te ressembles. C'est pas ton cousin, Zama, par hasard. Mais t'as un style, frère? Style. Ah, comme ça. But I've been heavy in this game since 71. The world ain't ready for my mo- C'est quoi le menu d'aujourd'hui? C'est une boulette de bon, attends, avant de parler de ça, on parle de la machine Alclad, le meilleur pour machine cuisiner. Après Thermomix. Après Thermomix. Après dans les non, rachis. Ça va mariner. Je regarde pas avec la nourriture. T'as capté ou pas? La viande, la sauce, tout, c'est dinguerie. Grosse dédicace, Naïm, bon anniversaire à toi, je t'aime trop. Bon, dégustation, manger à ma femme, frites pas maison. Si, c'est maison. Frites pas maison. Mais si, c'est maison, mais c'est congelé. Ah, c'est congelé. Bismillah. Hop. C'est un quelqu'un sur Perpignan, Wallah, bienvenue, mange. Avec le banquier. Bon, moi, j'arrive. Moi, j'ai trop les olives, les gars, là, je m'en pas. Alors, incroyable. Il reste pour un plan. Les arbres pour moi, ils affichent. Pour toi, hein? Tu prends tout là. D'accord. Arrête de tout manger. Vous mangez pas. Non. Vous mangez pas. Arrête ça. À côté. Hop là. Dégustation. Petit pain. Petite frite. Hop. Petite sauce. Je rentre. Dans les olives. C'est bon? Ça, c'est des boulettes? De poulet. Du poulet arraché. Poulet haché. Ça, c'est arraché. Mais c'est pour toi, ma trop beau. Et on finit avec la story de Kinaï Santiago CC sur Snap. Arrivé au marché de Noël avec mon frère. Tu veux monter quoi, toi? Tu montes ça? Jamais de la vie. T'as peur? Tu veux monter quoi? Je te dis la vérité, comprends-moi, j'ai honte. Vas-y, je te ramène, mais moi je monte pas avec toi. Vas-y. Ah, t'aimes bien le beignet au chocolat? T'as vu à qui derrière toi? Regarde le Père Noël. En fait, toi, tu veux que manger? Bon, tu. J'ai
4 manèges, il a fait monter mon père. Regardez, il me fait monter où? Je rentre même pas dedans. Regardez, c'est un truc de bébé. Il bouge la poule avant ton père. Et en plus, je rigole. Mais c'est la vérité, t'as un ours. T'es content là? Là, t'es content. Regardez. Oh. T'as pas peur là? Commence pas à avoir peur, hein? Il danse en plus. Moi je te mens pas mon frère, voilà j'ai passé un mauvais anniversaire, voilà Yuna m'a cassé la tête toute la soirée. Frère. C'est bizarre hier, tu m'as dit ouais je vais avec Yuna, j'ai des trucs à faire et là tu me dis ça. Voilà elle est revenue me casser la tête au studio et tout frère, ouais m'a rendu fou. Et tu te retrouvais tout seul, elle est partie avec ses copines. Je t'ai dit viens on se fait un truc moi et toi, tu m'as avec elle, voilà, tu te retrouvais tout seul. Tu viens on fait un truc, après au final on n'a pas fait, frère, je te mens pas, voilà je suis dégoûté là, voilà je suis dégoûté. Est-ce que mon frère tu peux m'amener le truc des fruits là-bas et me prendre au moins 5 euros de trucs s'il te plaît? Parce que là j'ai envie de manger, mais comme je suis au régime, je veux manger des fruits au moins comme ça là. Quand tu me dis ça mon frère, ça fait plaisir. Là on y va, on comme va ça, acheter. Comme ça au moins d'acheter, manger un kebab, les trucs des fruits. Non pas. ça non. T'as vu, eh ben, j'achète des fruits pour me passer ma faim. Viens on y va. Merci. Vas-y serre-toi. Quoi? Vas-y, prends, te gêne pas, prends. Là, c'est bon, j'en profite pas. Merci. Vas-y, rentre. Elle est sous? Je vais payer, rentre. T'es en train de faire quoi, là? Tu fais quoi? Je les rasose, comme ça. Je les arrose, on dit. Ah, ça? Comme ça, ils sont plus délicieux qu'ils n'aillent. T'en veux une? Donne. Merci. C'est là, on va faire manchu. C'est bon. Merci. Bon appétit. Merci, toi aussi. Pourquoi t'es dégoûté? Kinaï, je crois que mon frère, je te jure que les fruits que j'ai mangés, ils me servent à rien, Kinaï. Arrête, mon frère, de dire ça. Tu sais très bien que c'est bon pour la santé. Oui, mais mon frère, il me faut un coach. Tu veux un coach? Oui. Toi, je sais que tu fais des efforts et tout, pour moi et tout. Tu m'aimes, mais il me faut un coach à côté de moi, Kinaï. Tu veux que moi, je trouve un coach? Oui, Kinaï. Reste ici, je vais te trouver un coach de malade. Reste ici, je te jure. Merci, Kinaï. Reste ici. Bouge pas. Merci, Kinaï. J'ai besoin de toi là. Mm-hmm. Tu sais pourquoi? Mm-hmm. Tu connais Rico? Ouais, le petit. Il fait un régime. Mm-hmm. Il veut un coach. Et là, j'ai besoin de toi. Il n'y a que toi là qui fait du sport dans le quartier. Est-ce que tu peux l'aider s'il te plaît? Ouais, ça te dérange pas? Viens, on va le voir. Il va être content le pauvre. Viens, on y va. Oh. Ça va, Rico? C'est lui. Paul, le talent, il va t'entraîner. C'est quand que tu peux l'entraîner? Demain. Demain vers 9h-10h. Vers 21h, 22h. C'est pas moi que tu dois dire merci, c'est lui mon frère. Et voilà, c'était la story de Kinaï Santiago et les stories des membres de la team Nasdaq, en finissant par Kinaï Santiago. Si, c'est le retour de Paul le talent. Paul qui a un incroyable talent. Il tourne ses doigts et il fait beaucoup de sport. Donc, le conseil que je peux donner à Rico, je le donnerai après. D'abord, je voulais dire... qu'il ne faut pas oublier de mettre le pouce bleu et de s'abonner et de mettre un petit commentaire pour encourager la chaîne. Voilà, c'est super sympa. Et pour ceux qui ne veulent pas écouter mon avis, mon commentaire, mes conseils en fin de vidéo, bah, j'ai mis mon avis à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pouvez appuyer sur stop dès à présent. Voilà. Et ceux qui veulent regarder la suite, bah, merci beaucoup à vous. Donc, je disais pour Rico, déjà dans un premier temps, pas manger que des salades, mais diminuer. Juste diminuer un petit peu les quantités de nourriture. Et puis, sélectionner d'autres aliments. Ça doit se faire avec aussi l'aide des parents. Du pain complet au lieu du pain blanc. Des pâtes complètes au lieu des pâtes blanches. Des viandes maigres sans gras au lieu des viandes grasses. Du soda light zéro au lieu du soda sucré. C'est plein de petites choses comme ça qui, mis bout à bout, ben, voilà. Préférer pour le petit déjeuner des muesli par exemple, ou des biscuits au blé complet au lieu des biscuits blancs, des trucs, des farines blanches, faut éviter. Il n'y a qu'un truc blanc qui est bon pour la diététique, c'est le riz basmati à la limite.
le riz basmati, les pâtes complètes, bon. Et de temps en temps, se faire plaisir aussi le week-end, sinon c'est intenable. De temps en temps, se faire plaisir une fois par semaine. Voilà pour mes... Et puis bouger, faire un peu de sport, et puis marcher surtout. Pas tous les jours, mais des longues marches d'au moins une demi-heure, puis après une heure. Pas tous les jours, tous les 2 jours à peu près. Et des séances de sport. Donc voilà, il y en a qui m'ont posé aussi la question par rapport à Crimo et Loriana qui se sont embrouillés. J'ai marqué dans le titre Crimo rompt avec Loriana, mais après, voilà, le lien de la vidéo, il est à la fin de la vidéo. Il y aura le lien de la dernière story de Nasdas. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, Nasdas n'a pas encore snappé, ou je crois qu'il a recommencé à faire ses premières stories. Donc ce sera plus tard. Je crois qu'il va snapper toute la soirée. Donc voilà, Crimo reproche à Loriana de lui gueuler dessus devant tout le monde. Pas qu'en privé, mais devant tout le monde, en public. Et là, devant des millions de gens, dans le snap de Nasdas. Hein. Et Loriana lui reproche ben, d'être tout le temps dehors, de ne pas s'occuper de sa famille, de sa fille, en espérant que ça va, ils vont se réconcilier. Par contre, ils n'ont pas snappé aujourd'hui. Ils n'ont pas snappé en espérant qu'il va voilà, une histoire triste. Et une deuxième histoire triste, Moha qui passe son anniversaire tout seul. Franchement, ça m'a dégoûté pour lui. Franchement, ça m'a dégoûté pour lui parce que je pensais qu'il allait faire son anniversaire avec son amoureuse, Yuna, bien sûr, et ses amis, mais non, il s'est retrouvé tout seul. Du coup, il est parti s'incruster dans la soirée à Maria, j'allais dire dans la story à Maria aussi. Et finalement, après Cappuccino, il l'a pris pour enregistrer un tube. Et elle a l'air pas mal, cette chanson-là. On a écouté quelques extraits, ça a l'air pas mal. Il va le sortir après sur TikTok. Toc, toc. Toc, 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 toc. Par contre, le short, c'est pas bien. C'est pas bien le short parce que, échec, il y a les parties intimes, on va dire. Voilà, après, je pense que son short, il va le laver à la Javel. Il va devenir blanc son short. Délavé. Et non, je rigole. Un bon lavage, je crois que ça suffira. Et Maria aussi, qu'il a utilisé Maria pour revenir dans la team Nasdas, parce que Nasdas voulait pas qu'il revienne. Parce que pendant que Nasdas avait arrêté, et bien Moha, il avait pas pris de nouvelles, pas un message, pas un coup de téléphone, rien. Rien. Donc il lui a dit, mais tant que la roue elle tourne, tu reviens? Du coup, pour rester à Saint-Jacques, ben, il a profité de Maria. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et Cappuccino qui est parti voir le film Gladiator. Il y a un petit débat là-dessus parce que le rôle original, c'était justement un Tunisien, il me semble, Gladiator. À l'époque de Hannibal Lecter, des trucs algériens, tout ça. Voilà, et de toute manière, apparemment, ils veulent plus trop de rebeux dans le cinéma, apparemment. Mais Maalich, comme on dit, Maalinesh, il y a des rebeux sur TokTok, sur TikTok, et sur Snap aussi. Quand tu vois tous les influenceurs rebeux qu'il y a, humoristes, influenceurs, tout ça, il y en a pas mal, franchement, d'un autre côté. Voilà. Mais c'est triste comme. Voilà, maintenant, les rebeux, on les met que dans les mauvais rôles. Les rôles des méchants, tout ça, alors qu'on n'est pas tous méchants, bien évidemment. Ça serait injuste de mettre tout le monde dans le même sac, même s'il y en a beaucoup qui font des conneries. Enfin, beaucoup. C'est relatif à l'absolu, si l'on considère que l'absolu est relatif en lui-même, bien évidemment. Parce que même si c'est une minorité, ben c'est celle qui fait le plus de bruit, finalement. Donc après, il y en a beaucoup qui font des reproches à Nasdas, mais... Voilà, Nasdas, il promet pas des mauvaises choses. Il n'est pas parfait, personne n'est parfait. Mais je trouve que c'est une meilleure image que, voilà, un peu d'humoriste, un peu, voilà, le lifestyle, que, voilà, certaines choses, quoi. C'est moins pire, je pense, sincèrement, quoi. Je trouve même que c'est pas une si mauvaise image que ça. Il y en a une bizarre, il a une mauvaise image, tout ça. Tatati, ok, il n'est pas parfait, personne n'est parfait, mais... Il y a pire, on va dire, il y a beaucoup. Voilà. Malheureusement, il y a des problèmes, comme on dit, mais Inch'Allah, le Inch'Allah, tout ça va s'arranger à condition que chacun aussi fasse un effort, comme on dit.
Chacun y met un petit peu du sien. Bon, c'est pas. Ça arrive de se lever, comme on dit, du mauvais pied, mais pas tous les jours non plus, quoi. Une fois, ça peut arriver, mais pas non plus tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, la bagarre, quand on est comme ça. Un peu. Quand il n'y a pas de bagarre, on s'ennuie, malheureusement. Malheureusement. Donc voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdas. Pour ceux qui ont loupé la story ou qui veulent la revisionner 24 heures après, parce que ça s'efface définitivement au bout de 24 heures sur Snap. Pour ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas d'anime réseau social pour l'instant, pour ceux qui connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube et sur Google, pour ceux qui n'ont pas le droit d'avoir Snap, qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, et ceux qui veulent regarder sur Nintendo Switch via l'application YouTube ou sur grand écran, télévision, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là s'affichent d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt. Yo!